recette de la tarte au poireau comme je la fais, à ma façon, à moi. Il fait très chaud, on a encore 32 degrés et il est 6 heures du soir. Donc, j'ai eu que le courage que de faire ça à manger. Tarte aux soignants. Tarte aux poireaux. Donc, je vous fais voir tout de suite. J'ai fait revenir mes poireaux avec des oignons. Et là, c'est presque cuit. Donc, je vais arrêter. Et je vais continuer avec le reste. Normalement, vrai. Normalement, je sais pas. On va y voir mon plat. J'ai une idée. T'as une idée? Ouais, pour ce soir, parce qu'après, on sera à la télé. Oui. Bon, on fera le tag. Là, t'es en plein milieu. T'es, ah t'es, oui, t'es légèrement décalé. Mais bon. Je suis décalé? Non, non, mais pas que. Faut aller pousser. Ben voilà, c'est toi qui me dis. Là, là, t'es quasiment. Là, je suis au milieu. Là, t'es pile poil au centre. Bien. Donc, j'ai pris une pâte brisée. Je donne des petits coups de fourchette pour éviter que la pâte gonfle. Je vais mettre de la moutarde. Est-ce que vous avez de la moutarde dans vos grandes surfaces? Moi, on n'arrive pas à en trouver, nous. C'est fini. On n'arrive plus à trouver de moutarde. Si ça continue à être obligé d'acheter de la moutarde au marché noir. Elle va nous coûter très cher d'ailleurs. C'est vrai, on en rit, mais enfin bon, c'est pas marrant parce que quand même. Voilà, donc je mets cette moutarde qui a une valeur inestimable sur ma tarte, sur ma pâte, exactement. Alors là, je vais faire ça parce qu'il ne faut pas en perdre une miette. Là, voilà, donc je l'ai étalé. Je n'en perds pas une miette. Ensuite, hop là, je l'ai sauvé celui-là. Alors j'aurais pu les écouter, mais j'ai pas envie. Il fait chaud. J'ai pas envie. Je fais comme je veux. Ah, la sauce elle restera au fond de la gamelle. Voilà, c'est tout organisé. On penche dans le bon sens. Comme ça, le jus reste au fond. Et on peut ramasser les poireaux sans le jus. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu partout. Alors, poivré, salé, bien entendu. On n'a pas envie de manger grand chose de chaud. Alors c'est vrai que une fois cuit, on mangera ça tiède. Tiède, ça sera pas mauvais. Voilà. Donc ensuite, j'ai cassé 3 œufs, de la crème, du lait, du sel, du poivre. J'ai mis du gruyère râpé. J'ai mélangé le tout. Et je vais rajouter un petit peu de muscade. C'est toi qui as ouvert ma porte. Merci. Parce qu'elle s'était fermée avec le vent. Mon père, tu rentres et ouvres la porte. C'est bien. Alors, de la muscade.
et je vais vider tout sur mes poireaux. On met du gruyère un petit peu partout. Hein. Voilà. Après, je vais égaliser le gruyère. Un petit peu de persil aussi, j'ai mis dessus. Bon ben voilà, donc je vais mettre ça au four pendant une demi-heure à peu près, je verrai, une demi-heure, et normalement ça devrait être bon. Je vous ferai voir ça à la sortie du four. Qu'est-ce que tu en penses alors, mon chéri? Ah, c'est très bon. La tarte au poireau. C'est très très bon. Très bon? Ah oui. Bien. C'est super bon. On va refaire alors. Ah oui, tu peux.